Je me nomme Salima Tawedrago. Évidemment, je suis mariée depuis 5 ans. J'aime mon mari. Il est tout pour moi. Il est mon monde. Je m'adresse à toi, femme au foyer. Il ne suffit juste pas de dire « Je suis une femme mariée ». Être une femme mariée nous engage à tout. Nous avons tellement de responsabilités sur nos épaules. Nous devons prendre soin de notre mari, de la maison, des enfants. Et moi, je prends soin de mon mari. Je le défends aux yeux de tous. Qu'il ait raison ou tort, qu'il soit bon ou mauvais, je le défends. Il arrive même que certaines envient mon mariage. Juste parce que je leur montre que mon mari est le meilleur. Vous savez, ce n'est jamais facile d'être mariée. Ce n'est jamais facile d'être une femme. Vous devrez tout supporter. Être une femme soumise. Être une femme qui ne contredit jamais son mari. C'est ça qu'on appelle femme africaine. Laissez-moi vous dire que tu peux être cette femme soumise. Fais tout pour ton mari. Mais il y a certains hommes qui restent toujours mauvais. Qui ne prennent pas en compte, c'est-à-dire les efforts que la femme fait. Derrière chaque mariage se cache une histoire. Mais laissez-moi vous dire, j'aime mon mari. Je l'aime plus que tout. Je le respecte. Je respecte sa famille. Je respecte ses amis. Que dire de plus?
Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? L'homme sur qui j'ai tant jeté de fleurs. Aujourd'hui, ce même homme me bat. Il me tape comme s'il tapait un tam-tam. Je n'ai pas de force. Je ne peux aller nulle part. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi-même. J'avais raconté à tout le monde que mon mari était un ange. Que j'avais un homme merveilleux. Un mariage qui était doux. Un mariage si parfait. Il m'aimait. Il m'adorait. Il était attentionné. Je ne sais pas pourquoi ce changement de comportement. Je n'arrive pas à le comprendre ni à l'expliquer. Je ne peux même pas en parler à quelqu'un. Parce que si j'en parlais, je serais mal vue. Personne ne va me croire. Même ma propre famille. Vous vous imaginez? Comment? Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mon mariage est devenu un enfer. Que faire? Et voilà que le lendemain, je te demande pardon. Je te demande pardon le fait de lever la main sur toi. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à réagir ainsi. Je te supplie. Hein? Je te demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter que tu lèves la main sur moi? Quelle faute ai-je commis? Hmm? T'ai-je offensé? Le fait de t'aimer est un crime. Dis-moi ce que je t'ai fait de mal. Ma chérie, je t'ai compris. Hein? C'est pas un crime. Le fait de m'aimer n'est pas un crime. Je te demande de me pardonner. Ça va plus se répéter. Tu sais très bien que je t'aime. Donc, comment faire souffrir celle que j'aime dans ma vie? Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va plus se répéter. Si tu m'aimais, tu n'allais pas me taper. Tu n'allais pas me bastonner comme si tu étais en train de taper sur un tam-tam. Est-ce que moi je suis ton tam-tam? Pardonne-moi, chérie. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît.
demander pardon là ne va pas effacer le coup que tu m'as donné. J'ai toujours mal. Regarde. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à réagir ainsi. Pardonne-moi s'il te plaît, ça a pu se répéter. Promis. Tu m'as pardonné? Tu as pardonné pourquoi? C'est trop facile. Je vais te pardonner pour que demain encore tu viennes taper sur moi comme si tu tapes sur ton tam-tam. Jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Pour que tu me pardonnes? Excuse-moi. Je suis pardonné. Attends, j'ai ton habit. Je vais arranger. J'ai un pardon même que je voulais, ça fait 125 000. Avec quoi d'autre? C'est ça seulement? Plus l'argent de la couture. Ça, c'est pas un problème. Moi, je connais un ami là qui coûte très bien. J'ai l'envoyé là-bas. Moi, j'ai envoyé le bazin là-bas. Ah, bon, non, je vais te donner. Tu vas aller. Tu vas aller chez ton couturier là. C'est mieux. Donc, la réconciliation est née, non? Pas encore. Il y a une condition encore. Mais toi aussi, tu attendais l'occasion. Tu demandes pardon si tu dis bazin 100 000 avec couture. J'ai dit ok. 125 000. Ah, 125, j'en ai le 25 000. Ah, ok. Et le bazin. C'est tout qui fait 125 000. Quoi? J'ai dit bazin 125 000. Uh-huh. C'est bazin nouveau. Ça dit c'est une nouveauté. C'est un nouveau bazin qui est sorti. Ça coûte 125 000. Ok. Plus l'argent de la couture. Uh-huh. Et ça, on peut estimer ça à combien? Au moins 80 000 comme ça. Ouais. C'est vraiment une réconciliation. Ça, c'est ma chérie, ça. Donc, ça veut dire, pour l'incident qui s'est passé là, 200 000 doivent sortir pour une tenue. Ah, mon cœur. Non, tu es très forte. Mais pour le moment, là, tu vas m'acheter un poulet plus un dafanik. Mais il y a du vin au frigo. Je n'ai pas du vin. J'ai dit poulet, il y a un dafanik. Pour une vraie réconciliation en Afrique, là, ça va toujours avec du vin. On est en Afrique quand même. Dafani, ça c'est après. Ah, parce que vin là, c'est en Afrique qu'on a fabriqué. Ça se fabrique, ouais, mais c'est nous, on est les meilleurs consommateurs. En tout cas, moi je vis Dafani. Il n'y a pas de souci. Bon, comme je ne suis pas. Je ne peux pas réagir autrement parce que c'est moi, je suis. Hein, tu vois, non? Donc, je te suis. Poulet Dafani, c'est ça, non? Bazin, couture 80 000. C'est ok. Je suis d'accord. Un petit bisou quand même. Bisous de réconciliation. Attends, tu es devenue très belle maintenant, même qu'avant, quand tu étais fâchée là. Pourquoi tu es fâchée? Ça ne va pas bien. Tu vois, c'est ça, je te retrouve maintenant. Mmh. Donc, on se lève, on part, le poulet, tout ça. Là. Allons-y. J'arrive, faut aller. Viens. Ok. Eh bien oui, je lui ai pardonné. Je sais que vous allez dire que je suis naïve. Ou encore, que je suis une idiote. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aime. Et au nom de l'amour que j'ai pour lui, c'est pour cela que je l'ai pardonné. Comme la Bible dit, tu pardonneras au nom de l'amour. Et quand tu aimes une personne, tu ne peux que lui pardonner pour tout ce qu'il te fait comme mal. Je suis d'accord. Il m'a battu. Il m'a battu sauvagement. Comme s'il tapait sur un animal. Mais que puis-je? Je l'aime trop. Je vois qu'il y a des femmes qui se lèvent, qui convoquent leur mari. Moi, je ne ferai pas cela. Parce que aujourd'hui, si
si je convoque mon mari et qu'on l'enferme, qu'on lui fasse du mal, c'est comme je me suis fait du mal à moi-même. Les femmes, je ne vous apprends rien de nouveau. Vous-même, vous savez, quand un homme cache quelque chose à sa femme, il change automatiquement d'attitude. Il adopte des comportements que vous ne pouvez jamais vous imaginer. Mais je pense que derrière ce comportement, ce changement d'attitude, je suis sûre et certaine que mon mari me cache quelque chose. Et quelle que soit cette chose, je vais la découvrir. Et paf, un jour. Tu veux quoi? Hein? Tu veux voir quoi? Il y a un problème. C'est un problème, faut me le dire. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Je sais pas, tu es quitté, tu viens, tu me trouves ici assez tranquillement, tu me demandes, il y a quoi? Il n'y a pas m'énerver. Hein? Tu viens me trouver, il y avait un problème. Pourquoi tu veux qu'il y ait un problème? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Je veux juste savoir ce qui ne va pas, il m'agresse. Je suis sûre qu'il me cache quelque chose. J'en trame toujours. J'ai découvert la vérité. Comment un homme peut être mauvais
cruel. Je ne reconnais plus cet homme. Un homme avec qui j'ai partagé 5 ans de ma vie. Ah. Comment est-ce possible? Comment? Je repense à tout ce que j'ai traversé avec lui. Donc c'est pour cette raison qu'il a changé de comportement. Je disais, j'ai découvert la vérité sur mon mari. J'ai découvert que mon mari est... J'ai même pas le courage de vous le dire. Mon mari est séropositif. C'est pas tout. Ce qui me chagrine, on a toujours eu des rapports non protégés. J'ai pas besoin de vous dire la suite. Vous le savez déjà. Un homme que j'ai chéri, que j'ai aimé, je lui ai donné tout, mon amour, ma vie, et voilà comment il me remercie aujourd'hui, en me filant cette sale maladie. Qu'est-ce que je lui ai fait de mal? Ou bien le fait d'être une bonne épouse est une mauvaise chose? Dites-le-moi. Que vais-je devenir maintenant? Il a détruit ma vie. Tu es audacieuse, hein? Où tu allais trouver ça? Je te demande, c'est quoi ça? Attends, qui t'a permis de fuir dans mes affaires même d'abord? Ça, c'est la dernière de mes soucis. Je te repose la question. C'est quoi ça? Attends, écoute-moi très bien. Faut pas m'énerver. Comment c'est fait que tu peux fuir dans mes affaires? Regarde, tu peux t'énerver autant de fois que tu veux. Parce que je n'ai plus peur de toi. Explique-moi, c'est quoi ça? C'est porté du PIH. C'est quoi? Attends. Je rêve ou quoi? Tu ne rêves pas. Tu as des rapports non protégés avec moi. Et tu sais très bien que tu es porteur du PIH. Je vais te gifler si tu descends ma chemise là. Vas-y, te gêne même pas. Vas-y. Ne me pousse pas de porter main. Vas-y, te gêne même pas. Voilà. Laisse ma chemise tranquillement. Je ne te laisse pas. Tu vas me dire pour que. Ça. Attends, donc, tu as quel problème? Hein? J'ai dit. Attends, regarde, faut pas regarder pour tes mains. J'ai dit, vas-y. C'est pas parce que je me tais et puis je te regarde, tu penses que tout est permis. Tu es culotté. La femme soumise là, c'est fini aujourd'hui. Tu vas me dire où tu as eu le VIH. C'est à toi que je m'adresse. Laisse-moi passer. Ici. Il ne faut pas que j'aime les arrêter de porter main. J'ai dit, vas-y. Si tu es homme là, vas-y. Lève-toi.
Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà comment se termine mon histoire. J'ai ôté la vie à mon mari. Au lieu d'essayer de le comprendre, le soutenir et mener le combat avec lui, je lui ai tout simplement ôté la vie. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que le sida n'est pas une fatalité. Il y a des maladies plus graves que le sida. Nous les femmes, nous devons toutes nous impliquer. Prenez l'exemple sur moi. Si j'avais écouté mon mari, essayer de le soutenir. Aujourd'hui, il allait être toujours en vie. Mais au lieu de ça, j'ai été égoïste. J'ai pensé qu'à ma petite personne. C'est vrai que je l'aime. Mais j'ai oublié l'amour que je ressentais pour lui. J'ai pas su être une bonne femme pour lui. Toutes les femmes qui me regardent, ne suivez pas mon exemple. À deux, on peut surmonter les difficultés. On peut surmonter toutes sortes de problèmes. Soyons toujours un soutien pour nos maris. Vous savez, on a toujours pour habitude d'accuser les hommes. Les hommes sont ci, les hommes sont ça. Est-ce qu'on s'est déjà une fois mis en cause? Est-ce qu'on s'est déjà réellement demandé ce que nos maris voulaient? Parce que nous, on les aime. On veut que tout soit autour de nous, que tout tourne autour de notre petit monde. On oublie qu'on doit prendre soin de ce monsieur qui est notre mari. On le néglige. Pire encore, quand on rentre dans le mariage, on ne ressemble à rien. C'est comme la femme, tu te transformes en même temps en une bonne, quoi. Tu ne t'arranges plus, tu te délaisses, tu te dis parce que tu es déjà dans le foyer. Est-ce que ton mari t'a trouvé comme ça quand il t'épousait? Non. Tu étais toujours bien coiffée, bien habillée. On doit toujours suivre cette tendance, même si on est dans le foyer. On doit toujours se faire belle pour notre mari. Mais quand on se délaisse, dites-vous aussi qu'il peut sortir aller chercher dehors. Si on ne prend pas soin de lui, il peut toujours sortir. Ce qui envoie les aventures de l'extérieur. Il va chercher d'autres filles.
si j'avais plus prêté attention à mon mari, peut-être qu'il n'allait pas m'envoyer, il n'allait pas me filer cette sale maladie. Nous avons tous notre part de responsabilité. Dites-moi, entre nos maris et nous, qui a le plus tort? Je pense que non, on a tous notre part de responsabilité. Pour toutes celles qui me suivent, j'espère que mon histoire vous servira d'exemple et que vous allez mieux prendre soin de votre mari. Vous allez être complice avec votre mari, le chuchoter, le soutenir en cas de problème. Même quelle que soit la maladie qu'il a, vous devrez être son premier soutien, ne jamais l'abandonner. Ça peut arriver à tout le monde. Nul n'est à l'abri des problèmes, ni des maladies. Mais ensemble, on peut lutter. Si vous avez aimé mon histoire et que vous vous sentez concerné, je vous demande de partager cette vidéo. Ce n'est pas seulement moi. Nous sommes toutes concernées. Et laissez vos commentaires. Donnez votre avis. Je serai ravie de vous lire. Merci.